Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et j'avais mis une story sur Insta, j'avais demandé si vous voulez que je teste la fidélité de votre mec. Et plein de filles m'ont répondu, du coup je vais répondre dans cette vidéo. Bon du coup j'ai reçu plein de messages de filles sans mentir, au moins une centaine. Et franchement si la partie 1 elle marche, je ferai sûrement une partie 2. Et j'essaierai de répondre à tout le monde. Parce que là j'en ai sélectionné quelques-unes. Bon du coup je vais commencer. Je vais commencer par le copain de Lisa. Je vais commencer par le follow et liker ses stories à la une. Et voilà, parce qu'il me suit déjà en fait. Du coup on va commencer tout doucement. Bon du coup on passe à Sylvia. C'est une de mes abonnées encore. Et son copain il a 1 million d'abonnés. Elle veut le tester aussi. Du coup on va le faire hein. Et mais par contre c'est bien, il a 1 million d'abonnés, putain. Bon par contre lui du coup vu qu'il a 1 million d'abonnés, je vais pas juste le follow, je vais lui envoyer aussi un message. Et je vais lui dire c'est comme tu m'invites à tes soirées, chata. Vu que j'ai vu qu'il faisait ça. Bon du coup on a le copain Alisa entre temps qui nous a répondu. Ça, elle a répondu vite hein, d'ailleurs. Et je répondrai après, je vais passer à une autre personne d'abord. Bon du coup on a une autre fille, je vais pas citer son prénom, on va l'appeler Lo. Et voilà, elle me demande de DM son copain et il a pas beaucoup d'abonnés. Du coup, et il me suit pas non plus. Du coup c'est carré, on va le DM. Du coup c'est bon, on a follow son copain et on attend sa réponse. Bon du coup on revient au copain Lisa, je lui ai répondu, enfin il m'a demandé si on se connaissait. Du coup j'ai répondu non, mais on devrait apprendre à se connaître. On va tomber dans le panneau. Bon maintenant on a une autre abonnée, elle s'appelle Émilie. Et elle veut que je teste son mec aussi. Et il a pas beaucoup d'abonnés non plus et il me follow pas non plus. Du coup on va juste le follow et on va voir ce qu'il répond. Bon le copain Lisa, on en revient. Il m'a répondu, il a demandé si j'étais un vrai compte. Du coup je vais lui répondre avec ma voix et je vais lui dire que je suis un vrai compte. Oui, je suis en vrai compte. Ouais, du coup, il m'a répondu, il m'a dit, t'as presque 50K et t'as 200 abonnements et tu t'es abonné à moi, genre. En gros, il ne me croit pas. Genre, t'as 47K, t'as 200 abonnements, on va dire, et tu t'abonnes à moi. Pourquoi? Et je vais lui répondre. Parce que je te trouve trop mignon. Et j'ai vu que tu t'étais abonné à moi, du coup, je me suis abonnée en retour. Bon, du coup, Lisa m'a dit qu'elle voyait tous les messages parce qu'elle s'est connectée à son compte sans qu'il le sache. Et j'ai un peu peur. Je stresse pour elle. Bon, du coup, le copain Lisa, il m'a répondu. Il m'a demandé, il a dit, c'est bien, je suis privilégiée. En mode, j'ai 200 abonnements. Du coup, il m'a dit qu'il était privilégié, du coup, il est content. Et... deuxième vocal, il m'a dit quoi? Attends, j'ai quoi déjà? Ah oui, il m'a dit on habite un peu loin par contre. Il m'a demandé, je vais lui dire que j'habite à Marseille. Et j'habite à Marseille. Et toi, t'habites où? Bon, attendez, du coup, il m'a envoyé un message vocal. Et il m'a dit, en fait, il croit que je suis en compte fake. Quand même, même si on entend ma voix. Du coup, il m'a dit de me filmer et dire le nom d'un légume. Bon, du coup, tu m'as dit de te dire le nom d'un légume. Je vais dire poivron. Hein. Bon, du coup, il m'a dit qu'il habite à La Réunion. Et moi, je vais lui répondre que j'aime bien La Réunion. Et du coup, c'est quand qu'il m'invite. Et putain, j'aime trop La Réunion, c'est quand tu m'invites. Bon, du coup, j'ai bien parlé avec le mec de Lisa. Et il m'a dit, vas-y, je paye mon billet. Et je lui ai dit, vas-y, je paye l'hôtel. Ok, tu payes l'hôtel aussi. Bon, du coup, on passe à une autre. Elle s'appelle Rocacera sur Insta. Et elle m'a demandé de DM son mec. Pareil, il a pas beaucoup d'abonnés. Il me follow pas, je crois. Du coup, on va le DM. Bon, du coup, bonne nouvelle pour Lo. Son mec, il a supprimé ma demande. Il m'a pas accepté. Il a enlevé ma demande carrément. Donc, du coup, c'est bien, c'est bien. Creuse dinguerie. Le mec Alisa, il a dit ah non, chez moi c'est mieux en vrai. Quand je lui ai dit tu paieras l'hôtel, du coup. Bon, du coup, on est encore avec le mec de
Lisa. Et il m'a dit, après, bon, peu importe l'endroit, tant qu'on se voit, MDR. Du coup, j'ai répondu. Bah, j'espère que tu parles pas dans le vent. Parce que moi, j'ai vraiment envie de te voir. En plus, je mettrai une tenue. J'espère qu'il va pas tomber dans le panneau. Bon, du coup, on passe au mec de Cia. Il m'a répondu. Et m'a follow. Et du coup, je lui avais dit, c'est quand que tu m'invites à une soirée chata. Et il m'a dit, bah, quand tu veux. J'ai des événements tous les week-ends, lol. Et je lui dis, ah ouais, je peux avoir une place VIP proche de toi. On va voir ce qu'il va répondre. Par contre, je suis trop choquée, il a 1 million d'abonnés, il m'a répondu grave vite. Bref, j'espère qu'il tombera pas dans le panneau. Bon, du coup, on passe au mec de Léa. Il m'avait DM déjà avant qu'il soit en couple. Mais grosse dinguerie, wesh. Je pensais pas. Il est en couple. Du coup, ben voilà. Je vais lui parler, on va voir. Du coup, Lana, lui, son mec, ben, il me suit déjà. Du coup, je pense qu'il a dû voir ma story. Du coup, ben peut-être qu'il a déjà vu. Du coup, j'ai juste follow. Et ben, j'attends qu'il réponde. Mais il a accepté ma demande, mais il m'a pas DM. Et du coup, il y a Max aussi, que je sais plus c'est le mec à qui. Lui, ben, j'ai juste follow, il a pas follow back. Du coup, voilà. Du coup, il y a le mec de Léa qui m'a demandé je gagnais combien. C'est un ouf, lui. Du coup, ben, je vais demander c'est lui qui a combien. Toi, tu gagnes combien? Bon, du coup, il y a le copain de Linois qui ben, accepte ma demande. J'ai liké ses stories et on va voir. Bon, du coup, c'est bon, j'ai fini avec Lisa. Je me suis désabonnée de son mec, je parle plus, c'est fini. Et par contre, elle m'a envoyé un message trop mignon. Je vous fais écouter. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, ça fait super plaisir. Les personnes comme toi, beaucoup, parce que tu m'as vraiment ouvert les yeux. Et si c'est pas, je ne parlais pas pour des filles comme toi, donc vraiment merci. Trop mignonne. Voilà, du coup, j'ai fini avec elle et je lui ai déjà répondu en couple. Bon, maintenant, il y a le mec de Lino. Et il m'a répondu, il m'a dit que le couple avec deux meufs, du coup c'est une grosse dinguerie. C'est bizarre. Et voilà, je sais pas trop quoi lui répondre. Bon, du coup, le mec de Lino, bah, il m'a demandé des photos de moi. Du coup, bah, je vais lui envoyer une vidéo de moi. Et il m'a demandé s'il cherchait du sérieux. J'ai dit non, je cherche pas de sérieux. Et je lui ai demandé si lui aussi, il m'a dit non. Du coup, il a l'air chaud. Bon, du coup. Le mec de Lino, il nous a lâché un vu parce que j'ai envoyé une vidéo. Du coup, il a lâché un vu, mais il a liké. C'est bien. J'attends. On va voir. Bon, ben, en fait, il a pas envoyé de message. Du coup, ben, je vais pas répondre. Je vais pas forcer plus. Ça. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Il y a quand même pas mal de mecs qui m'ont répondu. Je pensais pas. Vraiment. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, bah, likez et activez la cloche. Voilà.